Bonjour les enfants et bienvenue sur les Super Kids! Les Super Kids est la chaîne où vous ne resterez jamais loin de Dieu. Sur les Super Kids, on vous propose des pas de danse, des enseignements, des vidéos drôles et plein de choses amusantes, mais surtout à rester connecté à Dieu! Nous allons vous raconter l'histoire d'un bébé très spécial. Et ce bébé avait une maman. Mais comment elle s'appelait sa maman déjà? Marie. Et elle était mariée à un gentil monsieur qui s'appelait? Joseph. Avant qu'ils ne furent mariés, un ange apparut à Marie et dit: Salut à toi, Marie. Le Seigneur est avec toi, et tu es bénie entre toutes les femmes. Pourquoi me salues-tu de cette façon? Oh, n'aie aucune crainte, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu vas donner naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus. Un fils? On l'appellera le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Et son règne sera sans fin. Mais comment est-ce possible? Je me suis engagée à Joseph le charpentier. Et nous ne sommes pas encore mariés. Le saint enfant que tu porteras est le Fils de Dieu. Pour Dieu, rien n'est impossible. Je suis l'humble servante du Seigneur. Qu'il en soit fait selon sa volonté. Oh. Joseph. Oh, Marie. Mais entre. Joseph, il faut que je t'apprenne quelque chose. Il faut que je t'explique. Oh, je sais déjà tout, Marie. Un ange est venu me voir cette nuit. L'enfant portera le nom de Jésus. Oh, Joseph, je redoutais tellement ta colère. Je deviendrai ton mari comme nous l'avions prévu. Et j'aimerais cet enfant comme mon propre fils. Grâce soit rendue à mon père de m'avoir choisi un mari tel que toi. Après qu'ils furent mariés, Marie et Joseph durent aller à Bethléem. Mais comme le voyage était long et pénible, et que Marie était enceinte, ils durent se reposer. Mais tout était complet. Oh, c'est trop triste. Mais comme Dieu étaient avec eux, ils purent trouver une étable où se reposer. Joseph, je crois que le bébé va naître. Oh. Oh, Marie, non! Nous sommes presque à Bethléem. Pourras-tu tenir? Oh, encore un peu, je crois. Cessez de m'importuner, tout est complet. Mais, aubergiste, ma femme est sur le point. Toutes les auberges semblent complètes. Ne crains rien, Marie. Nous trouverons un endroit. Ah!
Aubergiste, s'il vous plaît. Quoi? Oh là là, quoi? Oh, non, je regrette, mon ami, vous voyez vous-même. Mais c'est complet. Alors, aubergiste, et ma commande? Oh, je suis désolé, mais je ne sais plus où donner de la tête. Oh, merci de votre patience. Il n'y a pas la moindre place de libre. Même jusqu'à la porte, je dois me faufiler. Et maintenant, adieu. Attendez, s'il vous plaît. Accepteriez-vous de retirer votre main? Vous bloquez la porte. Je vous en prie, aubergiste. Ma femme est sur le point d'accoucher. Mais vous attendez quoi de moi? Que je construise une pièce supplémentaire sur le champ? Mais ma femme, le bébé... Écoutez-moi bien! C'est complet! Un bébé? Vous avez dit qu'elle allait avoir un bébé? Oh! Mais dans ce cas, j'ai bien un endroit qui peut faire l'affaire. Et vous verrez, c'est très confortable. Non, c'est pas à proprement parler une chambre, c'est plutôt une sorte d'étable. Qu'est-ce que je raconte? C'est une étable. Notre nouvelle étable est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste, mais elle est déjà pleine avec les chevaux et les ânes de nos clients. Nous n'installons que nos propres animaux dans la vieille étable. C'est une grotte en réalité, mais il y fait chaud et il y a de la paille fraîche. Nous vous sommes très reconnaissants. Il y a des circonstances où on ne peut pas dire non. Diriger une auberge dans ces conditions, on met les enfants au monde dans une étable. Comment va le monde? Marie, n'aie nulle crainte. Mais je n'ai pas peur, puisque je te sais à mes côtés. Jésus, sais-tu que c'est ton nom? Et sais-tu qui tu es? Enfin, tu es là. C'est tout ce qui compte. Endors-toi, Marie. Il sera fort. C'est un splendide garçon. Dors. Regarde toutes ces lumières à Bethléem. La ville n'a jamais semblé aussi animée. Tais-toi, le chien, on voudrait dormir. Toutes ces personnes, venues de tout le pays. Imaginez toutes les histoires qu'elles se racontent. Ah, les histoires sont toutes les mêmes. Les histoires vraies sont empoisonnantes. Quant aux autres, ce ne sont que des mensonges. Mais pourtant, comme j'aimerais être là-bas. Oh, tu ferais mieux de t'y habituer, mon jeune ami. Jamais rien d'important ne s'est passé dans la ville de Bethléem. Maintenant, on dort. Ne craignez rien. J'apporte de bonnes nouvelles pleines de joie. Un message pour tout un peuple. Car il vous est né ce jour dans la cité de David... un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans des langes, allongé dans une crèche. Nous devons aller en ville tout de suite. Mais qui gardera les bêtes ? Oh, les moutons se garderont bien tout seuls. Ce soir, le sauveur du monde est né. Thank you.
un mage était venu de très loin pour lui offrir des présents et l'adorer. Nous avons vu l'étoile dans le ciel et l'avons suivie jusqu'ici. Est-il là l'enfant annoncé par la prophétie ? Nous sommes venus pour l'honorer. Bien sûr, entrez. Son nom est Jésus. Mon Seigneur. Ah, mon roi. Mon maître. Noël, ce n'est pas que les sapins, les cadeaux, mais c'est Dieu qui a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Noël, c'est un rappel de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Noël, c'est Dieu qui nous dit « Je t'aime ».